C'était une fois un homme qui avait trois fils et qui ne possédait rien d'autre que la maison où il habitait. Chacun de ses trois fils aurait bien aimé avoir la maison après sa mort, mais le père les aimait tous autant l'un que l'autre. Aussi ne savait-il comment s'y prendre pour ne faire tort à aucun d'eux. Il ne voulait pas non plus vendre la maison qu'il tenait de ses aïeux, sinon il aurait pu partager l'argent entre eux. Finalement, il eut une idée. Il leur dit « Allez dans le monde, faites-y vos preuves, apprenez chacun un métier, et à votre retour, celui qui fera montre de la plus haute maîtrise dans son art aura la maison. » Les fils se déclarèrent contents de cet arrangement. L'aîné choisit de devenir maréchal ferrant, le second barbier, et le troisième maître d'armes. Là-dessus, ils décidèrent du moment où ils se retrouveraient tous ensemble chez le père et partirent. Chacun eut la chance de tomber sur un maître particulièrement habile, qui leur apprit bien le métier. Le maréchal eut affairé les chevaux du roi et il songeait « À coup sûr, c'est moi qui aurai la maison. » Le barbier rasait les grands seigneurs et pensait aussi avoir la maison. Quant au maître d'armes, il recevait maintes blessures, mais il serrait les dents et ne se laissait pas décourager. « Si tu as peur de prendre un coup, jamais tu n'auras la maison, » se disait-il. Quand le temps qu'ils s'étaient fixés fut écoulé, ils revinrent tous à la maison. Mais il leur fallait maintenant trouver l'occasion, la meilleure, pour chacun de montrer tout son talent. Et, ne sachant comment faire, ils s'assirent tous et se concertèrent. Et comme ils étaient assis là, tous ensemble, ils aperçurent soudain un lièvre qui courait à travers champ. Hé ! En voilà un qui arrive à point nommé ! S'écria le barbier. Vite, il prit sa cuvette et son savon, fit de la mousse le temps que le lièvre approche, lui savonna le menton en pleine course et toujours en pleine course, lui tailla une petite barbe carrée sans lui faire la moindre égratignure ni lui déranger un seul poil. Ça alors, ça me plaît ! S'exclama le père. Si les autres ne se décarcassent pas pour faire mieux, « la maison est à toi !» Peu de temps après, ce fut l'attelage d'un seigneur qui arriva, lancé au triple galop. « À mon tour à présent !» s'écria le maréchal ferrant. « Vous allez voir ce dont je suis capable, père !» Et rattrapant la voiture d'un bond, il ôta ses quatre fers au cheval tandis qu'il galopait et toujours en pleine course, lui en cloua quatre neufs. « Te voilà un fameux gaillard !» s'exclama le père. « Tu te débrouilles aussi bien que ton frère. Je ne sais vraiment pas à qui je dois donner la maison !» « Père, laissez-moi faire mes preuves, moi aussi !» s'écria le troisième. Et, comme il commençait à pleuvoir, il tira son épée et fouetta l'air en tous sens au-dessus de sa tête, de sorte que pas une goutte ne l'atteignait. Et lorsque la pluie se mit à tomber de plus en plus fort, tellement fort qu'on aurait dit qu'on la versait à seaux depuis le ciel, il fit tournoyer son épée de plus en plus vite, si bien qu'il demeura aussi sec que s'il se fût trouvé à l'abri d'un toit. Le père fut rempli de stupéfaction à ce spectacle et s'écria « C'est toi le maître, la maison est à toi !» Les deux autres frères, qui avaient également applaudi un tel exploit, furent contents de cette décision. Mais ils s'aimaient tant qu'ils demeurèrent tous trois dans la maison paternelle à exercer leur état. Et comme ils possédaient à fond leur métier et s'y montraient extrêmement habiles, ils gagnèrent beaucoup d'argent. Ils vécurent donc heureux jusqu'à un âge avancé. Et lorsque l'un d'eux tomba malade et mourut, les deux autres en eurent un tel chagrin qu'ils tombèrent malades à leur tour et moururent. Alors, comme ils avaient été tous trois également habiles, et qu'ils s'étaient aimés tous trois si fort, on les coucha tous trois dans une seule et même tombe.